prêt? Je suis un peu essoufflé, mais allons-y. Alors, c'est parti. Cite-moi un comédien namurois. Eh hey boy, namurois. J'en ai aucune idée. Qui? Benoît Poulvorde. Ton meilleur souvenir au festival? L'an dernier, présenté mon premier long métrage, Richelieu, qui a gagné le Bayard de la meilleure première œuvre. C'était vraiment cool. Quel a été le plus gros défi sur ton court métrage ici, justement? Le plus gros défi que j'ai sur le court-métrage Mercenaires, je pense, c'est de travailler avec des animaux vivants, travailler avec des cochons, notamment dans ce cas-ci. Ils ont mangé beaucoup de bananes, ils ont été bien traités, mais ils n'étaient pas toujours très obéissants. Quel est le premier film qui t'a marqué? Le premier film qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est Jurassic Park de Steven Spielberg. L'acteur ou l'actrice avec qui tu rêves de travailler? J'adorerais travailler avec Jodie Foster. Une réplique de film qui t'a marqué? Une réplique de film. Ça va être tout noir. Pour ou contre les pieds sur les fauteuils au cinéma? Contre les pieds sur les fauteuils. Le film que tu as vu le plus de fois? Le film que j'ai vu le plus de fois, Batman de Tim Burton. Un film que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie? Un film que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie... The Tree of Life. Une scène de cinéma qui t'a donné des frissons? On parle de frissons d'angoisse ou des frissons d'émotion? Une scène qui m'a donné des frissons. Bon. Tu auras répondu à exactement la moitié. 9 questions. Ok. Qui est pas mal du tout. Tant mieux.